les Philippines ont subi 144 tremblements de terre en 24 heures. Une vague de froid frappe présentement l'Ouest canadien. Environnement et changement climatique Canada a émis des avertissements à cet effet. Le passage d'un vigoureux front froid dimanche a causé de la poudrerie. Dans son sillage, l'air très froid envahit tout l'ouest du pays. La tempête Brandon a donné de fortes pluies et des vents violents sur les îles Britanniques et l'Irlande lundi. En Écosse, les vagues générées par la tempête étaient si imposantes que des voies ferroviaires ont dû être fermées à la circulation. Aux Philippines, le volcan Taal est entré en éruption dimanche, projetant un panache de fumée et de cendres à plus de 10 km d'altitude. Le lendemain, la lave s'est mise à couler. Les sismologues ont enregistré pas moins de 144 tremblements de terre en moins de 24 heures.